bienvenue encore à notre nouveau numéro de La Voix du Canada. Encore une fois, je vous avais bien promis qu'on aura de surprises. Nous reviendrons encore une fois pour d'autres informations et pour d'autres surprises, bien sûr. Bandero Baling, ami, ne sait plus la binomie, vraiment, je pense que première émission, les retours étaient quand même très, très positifs. Je dirais pas quand même. C'est très, très positif. Merci à vous. Merci d'avoir fait confiance à toute l'équipe de IC News, New Look, et puis chez mon compte officiel. Merci à Batoutou, son confiance. Je sais que Royal Malem. Encore une fois, je dirais un grand merci à El Shérif, Francine Témo. Merci à toi. Merci pour la technique que tu n'arrêtes pas de supporter et puis découvrir. Merci à toi, Francine Témo. Derrière la technique. Et puis encore un grand merci au vénérable Choisi Matata et puis toute la fondation Choisi Matata et Papito Kindoudi. Un grand merci à vous. Papito, tu fais ça bien. C'est les collaborateurs de Bosch Choisi Matata et puis toute la fondation Choisi Matata. Merci pour le bienfait. Merci à Retourne à l'Union. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Aujourd'hui à Kinshasa, actualité rouge, actualité du monde, c'est-à-dire qu'il faut tout lever là. La vie, c'est qu'au Canada, il y a aussi des voix et des gens qui sont capables d'argumenter, il y a des gens qui sont capables de réfléchir. Malobi, depuis, ça fait 2 jours quand même, hein, 2 jours que l'actualité Kéhi, on va actualité et Kéhi et Zomi. Et puis ça, on va casquer, oh non, mais ça, on va casquer un peu mieux, on va casquer un noir. Bon, je disais donc, actualité oblige. Le chanteur Ambassi. Oh là là. Le chanteur de F-Victim Ambassi, on vient de nous informer qu'il a de la confirmation. Il a confirmé sur la toile qu'il a quitté F-Victim. C'est déjà une actualité quand même. Tout va bien, Ambassi. Je vous confirme encore une fois que Ambassi a loué F-Victim. Et puis encore, on vient d'avoir une information. Ben, je ne vous les confirme pas le temps que toute l'équipe de Ferrigo nous confirme l'information. On vient d'avoir une information jusque-là que Ferrigo a obtenu 100 visas pour son équipe, son groupe qui va l'accompagner dans la double Adidas Arena. Ils ont prévu le 20 avril et puis le 21 avril. On vous informait que Ferrigo l'a eu 20 visas. Mais on n'a pas encore la liste, on n'a pas encore la confirmation. Mais jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, c'est ça l'information qui provient de la grande équipe des Gaulois. Félicitations à toi, Papa Hervé, et puis bonne chance pour Adidas Arena. C'est sûr et certain qu'on reviendra dessus. On parlera de ça en long et en large sur nos prochaines éditions. Comme d'habitude, comme je l'avais annoncé la semaine passée, la sœur Lissikunda Tiraibiso, c'est une sœur, c'est vraiment Lissikunda, je dis, c'est la sœur Anguya Groupia, le Kunda Sister. Les Kunda Sister, c'est un groupe qui nous a quand même dorloté avec la bonne musique, gospel. Ils ont un très très bon répertoire musical. Sûr et certain qu'il n'y a personne qui pourra oublier, qui pourra ignorer, je dirais même que groupe là-bas, groupe Kunda Sister, on dit sincère condoléance à toute la famille Kunda et puis à toute la famille de la musique gospel qui ont perdu quand même à Zapamba icône la musique gospel. Ici Kunda, paix à ton âme, nous serons là, toute l'équipe, toute la presse congolaise sera là pour accompagner les artistes gospel. Aujourd'hui, tout ça, la CG Moussousou. Ah, oui. Vraiment, la Kinshasa. Ah. Aujourd'hui, on parlera quand même de la CG. Ça fait quand même longtemps. Okay? Ça fait longtemps. Je ne sais pas si les gens ne veulent pas en parler, mais ça fait quand même mal. Ça fait trop mal d'apprendre tout ce que je veux vous dire. C'est pas quelque chose de hasard, c'est un fait, mais je me dis,
Pourquoi est-ce que les gens n'en parlent pas? Pourquoi est-ce que Batoualini pour l'obéir? Pourquoi est-ce que Côte ça va oublier? Aujourd'hui, nous allons quand même parler CGHA et Oumeli quand même. Il y a quand même l'eau et l'eau et quelque chose à boire dedans. Il y a quand même plein, il y a quand même Badoussé, mais on va en parler quand même. Mais juste avant de continuer, je vais demander à la régie de mettre une courte pub, quelques secondes. On va respirer, comme je vous ai dit, le séjour d'aujourd'hui, on va parler de Chaka Congo, l'artiste en danger. Si la régie est encore avec moi, est-ce que je peux avoir une courte page publicitaire, juste quelques minutes, et puis on va revenir pour entamer le sujet et puis parler avec tous les internautes. Merci beaucoup, on se retrouve juste après. C'est pas la TV et y en a makambu ya sikali zuzu. Wo ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. Wo ngomona makambu ya politique ya sika. Wo parti AA ezana kati. Wo parti BB. Wo CFAIO ezana kati. Ya c'est pas la TV. Bouquet comme ya mukeboy, o tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na c'est pas la TV. C'est pas la TV. Mais ma bisonne, on a 4K. Machine, ma daka daka. Cepela TV. Bienvenue dans le monde de Cepela TV. Cepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Merci beaucoup, la technique. Merci pour cette page publicitaire qui nous a fait du bien, cette Cepela TV. Allez-y, vous en procurez, le Madame Cepela TV, pour plus de détails. Je vais l'expliquer juste à la fin. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci à toi encore une fois, Karine Mokonzi. Merci à toi, Batutu Europe. Merci à vous. Merci pour le soutien. Merci pour la confiance. Donc, comme je disais tantôt, donc, Tokolo Milalelo, mais c'est Chaka Congo. Dossier Chaka Congo. Ça fait quand même, je dirais, 3 mois, près de CD, et au même quand même depuis Akoufa. Chaka Congo, qui es-tu? Comme on a aidé son vrai nom, mais je suis Edmond Langou Massima. À mon niveau, pour l'Obéra, mais je suis Edmond, et puis, tout le bébé Chaka Congo. Donc, celui qui est le Edmond, photo de la famille, photo de Chaka Congo, photo de la ligne artiste. Donc, on doit faire le switch entre les deux. Donc, je disais, son vrai nom, c'est Edmond Lang, Massima. Bon, on va appeler Edmond Lang, plutôt arabien. Monsieur Edmond Langou, Azamonaki. Azamonaki, Nabotaminaki, Nabaninoulé. Ça fait quand même longtemps, depuis 1980, si j'ai une bonne mémoire, ben depuis 1980, je pense. Parce que ces collaborations, Eza Balita Bimbo, Manu Dibango, Aza chanteur, parce qu'il y a des gens qui pensent que Chaka Congo est sorti du néant. Non, non. Chaka Congo, Aza chanteur, danseur, chorégraphe. Il a quand même un bon parcours musical. Malgré que ça est où, mais la guinéité, mais n'a pas misé à Congo. On peut aujourd'hui parler de Chaka Congo parce que Azan n'a pas misé Oyo quand même et bougea Pé Congo à l'époque Zaïre. Monsieur Edmond, à Tikibiso, ça fait 3 mois, je suppose. 3 mois quand même, ouais. Suite à courte maladie. Monsieur Chaka Congo, Atikiba musicien. Et puis je rappelle encore une fois que il est le fondateur du concept de l'association Artistes en danger depuis 1994. Ah ben voilà. Donc aussi on peut voir les images. Merci à la technique. Donc je disais, la personne que vous voyez, donc là c'est Chaka Congo. Chaka Congo, l'artiste musicien et l'artiste chanteur, danseur et chorégraphe. Donc, si on essaie de
si j'essaie de raconter pour rafraîchir la mémoire un peu, chaque Congo, il faisait la musique traditionnelle, ok? Donc, il n'est pas vraiment la musique à Bokoko. Il était plus dans ça, il était plus dans la musique folklorique, il était plus dans la musique vraiment plus africaine, ok? Parce qu'il fait partie, il y avait des fondeurs quand même, il y avait trois Africains à l'époque. C'est pas quelqu'un de moindre quand même, c'est pas quelqu'un de moindre. Mais aujourd'hui, ce qui fait mal, comment est-ce que le corps de Chaka Congo Ezo continue qu'au milieu de la morgue? Baby, tu évites ce qui t'a pris sa responsabilité, nanane. Mais ce que tu dois apprendre et puis tu dois continuer à apprendre jusqu'à là, ça fait quand même mal. Moi, l'autre fois, j'avais dit, tout est un peu qu'au blanchir battant, bas au koufaka, et puis toi, tout est à salir battant, air kakaba koufi. Parce qu'aujourd'hui, Chaka Congo, c'est pas quelqu'un, comme je disais, c'est pas quelqu'un de moindre quand même dans la communauté congolaise. Aza Moutou Oyo, Aye Banaki, puis il avait un nom. Chaka Congo, à travers l'association Artistes en Danger, il a quand même, il a ajouté quand même peine au Yako. Yako mitungi sa peau na ba mbato mususu en nous oubliant soi-même quand même. Chaka Congo il a eu na rappelé bino mouké. Chaka Congo a participé le matin à Pepe Kale, artiste en danger au moment là. Pepe Kale. Donc il m'allait malin mais pour donc on a un niveau où il faut comprendre. Ou bien, bon, mais qu'on réfléchir, comment est-ce que, et quand il y a chaque con, il y a la boue dans moi. Malobi, il y a du quoi à dire dedans. Parce qu'il y a des choses qu'on peut normaliser, mais ce n'est pas normal. Je disais donc, à participer à la matin, il y a Pépé Calé, il y a Pagna, père à son âme. Il y a Mandilou Système, père à son âme. Et puis, Marie Missam, père son âme. Et Avier Loutoumba, père Taramoutou, père son âme. Et nous, ici, Marate, Zara, Yamamou National, Patela, Yamamou Libaya, le soleil est raté. Yamamou National aussi, père son âme, Marie Chalakou, Mazarate. Bon, hormis les artistes que je citais, il y a aussi des artistes comédiens. Il y a aussi, des joueurs, des footballeurs, que artistes en danger, Kenda, Kola Kisabatou. Mais aujourd'hui, il se retrouve face à lui-même, Nakata Mork. Oui, bien, Naviou, Namokino, on va dernièrement. Yoko, Ozosaïla, Batou, ba émission. Ozosaïla, ba vie privée, Batou, ba émission, tous les jours. Et puis, l'Obama B, surtout dans le milieu artistique, dis-toi que tu partiras un jour. Yo, nanya lui, monsieur Chaka Congo, il s'est battu pour un artiste, Azara Otambola. Et il y a tout ça. Ce qui est bien, peut-être que. Je vous dis, là, je vous explique juste les bons côtés quand même de la personne. Okay? Il s'est battu pour les artistes. Malgré, on apprenait des choses après, mais je reste d'abord sur comment l'aider côté de l'artiste. Chaka Congo, il ne dormait pas sous quelque artiste dans le danger. Parce que le concept, oui, l'association Artistes en danger exista depuis 1994. Donc, aujourd'hui, je dirais, ça fait 30 ans que l'artiste en danger existe. Hormis Artistes en danger, Azalape na Imiko. Azrapé n'a pas un stade à Union de musiciens congolais, si je ne me trompe pas, Union de musiciens congolais.
Azalapé à Imbo. Bon, aujourd'hui, M. Chakongo nous a laissé M. Edmond Langou. Il est fait la minute au hasard, ma morgue. Ça fait plus de 2 mois. Le dossier est mis et belé nakati. On n'arrête pas d'apprendre des choses. Jour et nuit. Jusqu'à temps même que Kornaye et Kotina ba oubliette. Maintenant, on doit maintenant détecter et dénoncer responsabilité et ça ya nani. Qui fait que chaque Congo a oublié la morgue? Qui fait que chaque Congo ba kunaye te? Nani azana sima ya makambu oyo? On aura la réponse. Je vous dis, je vous garantis, on aura la réponse dans cette émission. Bon, selon nos sources d'information, déjà, toute la famille de Chaka Congo, famille de Chaka Congo, basui 50 ou 51 000 dollars, entre les deux. Mais c'est dans les 51 000 dollars. 50 000 dollars. Basilard est la part des présidents de la République. Merci à toi, Excellence. Zéphilie, tu sais qui est dit. Par le biais, l'argent de 50 000 dollars et bien qu'il n'a poche na Imoko. On doit se comprendre que jusque-là, ce n'est pas l'argent du gouvernement. Et ça, bon, on a Imoko personnel, Oya Pesaki, la famille Chaka Kongo. À la présence de Marai Marai. Papa Marai, on confirme Bissot. Que Zagimbon, à l'obagi Iyo, à Zagimbon. On confirme Bissot, que Pesaki famille, à l'obi Iyo, à Pesaki Libota. Mais qu'est-ce qui fait que Bakuna Chaka Kongote? C'est les 50 000, monsieur Marai Marai, Yemoro a zoagi déjà 15 000. A l'obi, notre famille n'est pas pesagi. Merci beaucoup. Là, il nous confirme qu'il a zoagi mon. Famille n'est pas pesagi 15 000 dollars. Donc, moins 50 000 dollars pour la matanga ya Chaka Congo. C'est un vrai ou faux? Mais c'est vrai. La pesagi. Merci beaucoup, chérie. Ça va bien. Ok, 50 000 dollars, Roby. Oui, et ça vrai. Sur les 50 000 dollars, Yemoro, famille Bepe Saguié, 15 000 dollars en guise de remerciement parce que Yemoto a réceptionné qui enveloppe. Il y a 50 000 dollars de la part du président de la République. Le président vous donne 50 000 de sa poche comme sa contribution. Tant que tu es bien, papa, vous salaire, il fallait que vous m'en ayez. Maintenant, merci beaucoup. Ah, moi, 50 000, tout ça, y'a encore un cas là. Ma pizza, 50 000 dollars, 50 000 dollars, m'aurait bima, tout. Mais à l'époque, pendant que ça pour vivre,
On pensait que ESA gouvernement avait 50 000 dollars. Mais les pauvres président de la République a juste 50 000 dollars là, et à PC. Donc, je disais, sur le 50 000 dollars, vieux Mara a joué déjà 15 000. Pour ma remercier à qui y est notre réceptionnaire qui est en enveloppe. 15 000 Ritzkali, 35 000 dollars. 35 000 dollars. Nakongo. Balobi, Nakongo, pour ça, la matanga ya bien, très bien organisé. C'est maximum, hein, et le minimum. Hein, on doit aller minimum, je dirais, 15 000 dollars. 15 000 dollars, vous avez les boulots, la métropole du pays. Eh, les boulots, on a 15 000 dollars à payer au côté. Vous avez les boulots, vous avez la salle, café dans la quatrième, cercueil, bain de consolation, c'est dans les 15 000 dollars. Je n'ose pas dire les bêtises parce qu'on le dit vraiment, je le dis vraiment. Après avoir vérifié et puis m'informé, j'ai bien dit 15 000 dollars. Maintenant, la moyenne, 15 000 dollars. Comment vous organisez 15 000 dollars? La 15 000 dollars. Quand je dis donc, il boule tout 15 000 dollars, il y a un coca. Mais pourquoi est-ce que la famille Malingi va condamner à Congoté? Parce que la famille réclame 300 000 dollars à l'objet. Pour la organiser matin à chaque Congo, il faut 300 000 dollars. Ben non. Merci. La famille rêve 300 000 dollars. 300 000 dollars. On ne peut pas, donc, ignorer le côté artistique qui a été à Chaka Congo. Donc, qui est à côté, mais arrêtons un peu d'exagérer. Arrêtons de blaguer avec les Congolais. Arrêtons de marcher sur le nez des autorités congolaises. La famille de M. Edmond Lang, vous m'entendez? Est-ce que votre idée la bino Eza Bozongisa Bambonionce, même Bozombonionce au Charakongo, je ne comprends pas. C'est quoi l'idée? 300 000 dollars pour le compte d'achat à con. Ben non. Parce que déjà, tant au besoin 35 000 dollars, bon, il s'est mis est-ce que mon est silly? Tout le monde est en avant. 35 000 dollars, vous êtes là. Est silly? Ou bien ça en parce que là, les gouvernements supposent que ce n'est plus leur responsabilité. La famille a reçu gain de cause pour enterrer Chaka Congo. La famille a reçu assez de moyens pour enterrer Chaka Congo. Ce qui manque aussi, il dit, est-ce que les 300 000 dollars est un prétexte ou bien n'a pas calculé vraiment famille à Sali, bah, les 300 000 dollars ou bien bah nous on a mis ce qui est moi na bah tiki bah na bah tiki chaka Congo bah tiki na moi héritage si c'est ça dites nous si c'est vraiment ça que vous voulez Balingi 300 000 dollars pour faire chaka Congo bah tiki na héritage bah nous on a mis ça parce que c'est inconcevable inconcevable il y a moins un matin le président de la République oh ben non. Ce qui m'a dit, c'est que Sili, dites-nous. Bon, voilà, ce qui est là, Sili,
Tolini Mbongo Podokola. Parce que la grandeur est à chaque Congo. Batobakou Fébélé après chaque Congo. Batobakou Fébélé. Jennifer, il perd son âme. Déjà pour un ami. Il y a hier un artiste, je crois, il y a F victime à Koufi récemment. Personne n'a Bakounda Guillé. Il y a eu tant d'autres artistes au Bakou Faki. Bakouni Kouni Bango. Pourquoi pas Chaka Kongo? C'est à cause de la famille. La famille va se réclamer 300 000 dollars pour organiser maintenant la Chaka Kongo bien. Est-ce que la famille, ils sont capables, papé Sabiso, ou sur papé Sabiso, liste, l'Ouyo, Bazalango pour ça? Parce qu'on ne peut pas comprendre, parce que geste au président Sali, je vous dis déjà à reconnaître grandeur à chaque Congo, à reconnaître valeur à chaque Congo pour la Mboka na biso. 50 000 dollars, voilà. C'est beaucoup d'argent. Ce qu'on avait vu, c'est 50 000 dollars. Bien. Mais la famille veut blaguer avec le sentiment Yamboka. Ce qui n'est pas bien du tout. Et puis je disais, Bakomi, Kosa la matin à chaque fois on est comme pas des. Comme ça, mon business. C'est quoi l'idée derrière la tête Rossène à 300 000 dollars? Moi, je me dis, dans cette affaire, comme le président de la République s'est déjà prononcé, okay, en remettant 50 000 dollars à la famille, Naïb Sabine, le bon mal gestif. Bas sur la larve. Bon, vous t'en morguez chaque jour. Je pense que on va foutre à mort chaque jour. Bazali, Kola les sabbatons à matin à chaque jour. Naibisibino, c'est le 50 000. Vieux Marai, a joué 15 000. Nathéye, mon comme t'as la Bible, 4 000. Et puis, il y a 35 000. Après ça, il n'y a pas moins à chaque Congo. Moi, la chère à Congo, on commence à y aller dans un bilangage. Eh, chérie, vous avez comment la chère à Congo, t'es dans le continent miniature. Donc, on est normal. Bon, le gars, comment moi la chère à Congo, dans le continent miniature, parce que c'est pas normal. Donc, il y a mon rendez-vous à 35 000 dollars, voilà, à ça la magie, naïe, à ça spectacle, naïe. Pour, je dirais même en bon français, la fille, elle est en train de mater la mémoire de Chaka Kongo. Sa fille, sa propre famille, Bazo Tambola, collée à mémoire à Chaka Kongo. Respect à l'artiste. Merci beaucoup, bien fait. Mais ce qui se passe, c'est inconcevable de la part de la famille de Chaka Kongo. Pourquoi réclamer autant d'argent? Ou soit, comme je dis, non, il y a un ami, baillez la vie, sauf liste, il y a ma dépense dans le bango. Bah, ça, le rôle, maman, la vie, sauf à ça, là. Baillez liste, il y a ma dépense dans le bino. Il m'a abonné au Tinder. Bah, pour ça, quand bien, ok. Vous avez la poussée à ce qui est beaucoup moins la montée. Ou soit la famille, comme je dis, dans la famille, ma salle est liste. Ma salle est liste, en bonne et difforme, elle va dépenser mieux ça. Ce qui va l'inimer la chair à quoi on a parlé du peuple. Je pense que le gouvernement fera quelque chose. Ce qui va l'inimer la chair à quoi on l'installe. Le gouvernement va agir. Parce que je pense pas, bah, ça, j'ai mis dans la cité, Oana, et vous avez mon kir, bien, vous avez impossible que le gouvernement, bah, pisse un mot la famille à chaque coup, pour sa mémoire. Mais pourquoi est-ce que nos familles africaines,
Nébité, est-ce que la comédie, le majeur a commis le rôle à bien en haut? Et comme le roi très bon trésor, et comme le roi trésor Mouroboye, c'est-à-dire pour la bouche de machin à cause du foot. Mais non, on respecte son âme, toujours respecter âme et chaque Congo. Mais on ne peut pas aussi accepter si facilement comme ça que Bossara Nabiso, parce que Batumo Balira chaque Congo, parce que Batumo a fait sa volonté, a fait sa confiance à chaque Congo. Mais non. J'ai besoin mon tout Oyo à recouter dans la photo et à mon à Characon. Je pense que mon tout moi a recouté dans la photo à mon à Characon. Parce que je pense, m'assure et certain, il y a mon tout dans la base, il y a Maramounioso. Hormis moi là, mais c'est toute la famille de M. Edmond Lango, baron de Baza, ma base. Il y a non-enterrement à chaque Congo. Bon, là maintenant, je vais faire quand même appel à la ministre de la Culture. Ministre de la Culture à Congo. Je pense que, ou soit l'ancien, il est en train de jouer encore en l'intérim, ou bien, serait-ce à temps qu'avant un gouvernement musical. Mais je pense qu'il n'y a pas de politique de chaise vide au Congo. Il y a quelqu'un qui s'occupe du ministère de la Culture. Il y a quelqu'un, c'est sûr et certain. Parce que le temps qu'il va nommer, il n'y a pas de ministre, c'est grave. Bon, le département culturel du Congo. Voilà, parce que comment on a chaque Congo. Merci beaucoup. Donc, le tout. Maman Margot. Problème est anémi. Pourquoi tu ne veux pas remettre aux Congolais le corps de M. Chaka Congo? C'est quoi les projets derrière la tête? Pourquoi Odinio s'accaparait dans d'autres Chaka Congo? Merci beaucoup, chérie. Merci beaucoup pour ce match. Maman Margot, et puis nous avons looké l'onginaïen, enfin, dans le l'onginaïen. Mais, n'a pas besoin de message au ministre, du département culturel. Je disais, donc, le département culturel du Congo, pourquoi pas prendre cette affaire en main? Pourquoi pas s'accaparer de ça? Pourquoi pas prendre cette responsabilité? Parce que, hormis qu'il soit M. Edmond, c'est un artiste congolais. Maman Margot, non, je vais le calme quitter. Mais on va quand même souffler un tout petit peu avec une courte page publicitaire. Toujours la publicité un tout petit peu. Et puis je vais revenir avec Maman Margot. Je suis la maman de jeune fille, Yoana. Page publicitaire et puis je reviens juste après et puis on va continuer l'émission pour aller conclure. Merci à tous. C'est pas la TV et yena makambu ya sikali susu. Wo ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. Wo ngomona makambu ya politique ya sika. Wo parti AA ezana kati. Wo parti BB. Wo CFAIO ezana kati. Ya sepe la TV. Bouke comme ka ya muke boy. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouke na ya sepe la TV. Sepe la TV. Mais ma bise, on est au zoom, on a 4K. Machine, ma daka. C'est peu la TV. Merci beaucoup la technique. Merci beaucoup, Algérie. France, c'est bien témoin, la technique qui fait ça bien. Merci encore une fois au vénérable Choisi Matata et puis à la Fondation Choisi Matata.
Et puis à toute la grande équipe de la Fondation Choisir Matata, là je vois Papito Kindoudi, Mokol Gabana Lemba, un grand merci à toi, salutations à toi. Papito Kindoudi, et puis à toute la Fondation Choisir Matata, et puis à lui-même, le vénérable Choisir Matata, un grand merci à vous, et puis salutations à vous. Merci beaucoup. Donc je disais, donc là, la zone est li, maman Margot. Maman Margot, problème à moi, Zanini, aux autres européens, ça vient sur nous autres, chaque Congo. Problème à moi, Zanini, aux autres, ça vient sur nous autres, chaque Congo. Hein? Est-ce que. Donc, comme je disais, maman Margot, on s'est donné à chaque Congo. Et puis, je dis encore une fois, un grand merci au vénérable Choisi Matata. Vénérable Choisi Matata, et puis toute la Fondation Choisi Matata, et puis à tous ses collaborateurs. Là, je vois Papito Kindoudi, Mokonzabana Lemba. Salutations à vous, merci aux bienfaits. La Fondation Choisi Matata. Est-ce que vous avez une chose à chercher à commander? Je sais que le beau Choisi Matata, est-ce que tu ne peux pas t'impliquer dessus? Le beau, c'est Papito Kindoudi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'impliquer dessus? Chaque à Congo, c'est ceci à Congo, à Monakin, Papito Kindoudi, Bezoubanakin, Mokonzabana Lemba. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'impliquer dessus? Le bon Choisi Matata. Est-ce que tu peux dire un mot? La Fondation Choisi Matata. Est-ce qu'il y a moyen de réagir? Parce que on ne peut pas comprendre. Corps et un néronabus au cher à Congo. Et vous mettez la bonne problème à Zara Moko. Maman Margot. C'est la fille de Chaka Congo. Comme vous disiez, c'est elle qui tire les ficelles par rapport à Corée à Chaka Congo. Je disais, si les gouvernements congolais pouvaient s'impliquer encore une fois dessus, oui, je sais très bien que ils ont déjà reçu une enveloppe. Mais on doit rappeler une fois, enveloppe ouana et outina gouvernement congolais. Pardon. Et outina gouvernement congolais. Et outina poche ya président de la République. Donc, on suppose que ministère de la culture nano ba agir te. On suppose que le gouvernement congolais n'a nous pas agir. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Révangiste tous les bienfaits de l'artiste. Oubliez un peu le côté commerce ou une famille. Parce que moi, honnêtement, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis, je ne partage avec personne. C'est vraiment mon avis. J'ai comme l'impression que la famille veut commercialiser l'école Chaka Congo. La famille veut jouer un politique moral, un marketing sur l'école Chaka Congo. Oui, on sait très bien que Chaka Congo a beaucoup fait pour les artistes congolais. On les reconnaît, mais on n'a pas oublié aussi. Mais là, on touche Chaka Congo, à tout ça. Mais qui est dans ça? On doit se les dire. Non, je ne pas une fois que on ne doit pas commencer à blanchir les gens juste ce qui m'a confié. Non, on doit arrêter ce comportement. On doit dire des choses nignes et zalies. Chaka Congo, partout, à la route à Moutou, moi, ma kéle la Rosala. Chaka Congo, à côté, moi, Raymond, à côté, mon maman Margot. Vous savez, je suis à Makambo, je suis tout le monde en Congo. Ça fait rire quand même, mais ça fait mal en même temps. Oui, ils ont le droit de décider. Ils ont le droit de décider sur le corps de. Il y a papa Nabango, ils ont plein de droits de décider comme ils veulent. Mais ils doivent savoir, encore une fois, que chacun a combattu personnalité publique. Donc, si les gouvernements a le droit d'agir comme étant
pouvoir public. Ils ont le droit d'agir. Parce que chaque fois qu'on a sa santé publique, il était connu. Il n'est pas inaperçu. Mais il y a réflexion moraux et tamboulang. Chérie, ah oui, il y a photo qui est là. Je pense qu'il y a des gens maintenant qui essayent de combattre ça à l'industrie congolais. Association, fondation, artistes en danger, ils ont existé depuis 1994. Ok? Oublions d'abord le gouvernement. Okay? Revenons juste à la fondation. La fondation, artistes en danger, Bazar la trésorier, Bazar la directeur, Bazar la chargé, ce n'était pas toute une équipe. Ou bien, Zadi Fondation, vieux chakra, beau vieux chakra, Zaraming, attends, ma sac. Vieux chakra, d'antir à sac. Attends, ma tout le temps. Au moins, la vie, à Zara, sac. Est-ce que ça, qui on est noir, mais à la association, dans quatre sac, il n'y avait pas de structure? Parce que, on doit se dire que, chakra, qu'on a tiki entreprise. Ok, ou les associations, oui, ils ont un but non lucratif. On n'en disconvient pas. Mais ils ont une structure, ils ont association. Donc, association veut dire qu'ils ont l'Isanga. L'Isanga, il y a battu. Donc, ils ont acquis. Il y avait des membres adhérents dedans. Donc, il y avait des gens qui avaient aussi des mots dans l'association. J'aurais même appris à. J'ai ri, il faut que tu s'en aies à venir. J'aurais même appris que Abdoul y est père à l'association, il n'a pas prévu à son relève. Il y a l'association artiste en danger, DJ Abdoul, le papa Berry. J'aurais appris ça aussi. Ça, c'est une information que j'ai appris, c'est sûr et certain. Mais revenons juste à l'association. Donc, je disais. Association, on suppose que ils ont acquis la structure, même si ils ont organisation de but non lucratif, mais il y avait quand même moi et l'homme aux arrogants. Est-ce que monsieur Chakako a vivre ce qui m'ont encouffé, a vivre ce qui nous a malade, parce qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'en voyant Mardo Darossa là, il faisait pour aider. Donc on suppose qu'il y avait quand même, il avait besoin de transport, il avait besoin de se déplacer, il avait plein de besoins. Bazarana siège, entre guillemets. Mais où est parti? Ah, il y a un vieux chat à Zarotambola bouillé. Ah, merci beaucoup, Alchérie. Alors, dans sa guidée, est-ce que c'est ça, on nous a constitué artiste en danger, ça qui est un rouge, parce que mon sac, c'est pas sur les occasions lignes. Est-ce que c'est ça qui faisait l'artiste en danger? Ou bien il y avait toute une structure? Ce qui structure est à la qui est coexister artiste en danger? Bah, structure wana, il faut battre les mains pour honorer. Mémoire, il y a fondateur, il y a artiste en danger. Son corps ne peut pas traîner à la mort, non? Voilà. Donc, je disais, fondation, il faut baser la responsabilité là-bas. Oui, les gouvernements peuvent intervenir. Oui, la famille, ils ont le droit de dire non. D'accord, il y a Messi Edmond. Mais nous, les artistes, nous, le gouvernement, nous, l'association, Tozoya, le Kola, chaque acteur, chaque acteur, et non, Monsieur Edmond. Monsieur Edmond, Langou, c'est pour la famille. Excusez-moi. Edmond Langou, c'est pour la famille. Chaque acteur, c'est pour les Congolais.
Chaka Congo, on le voyait pas comme étant papa la bino, mais tout le monde le voit, il y a ma Congolais nuance. Et puis nous autres, on a eu, et vous, mais la mort de tout. 300 000 dollars. La boule. Margot, n'a bien eu combien de fois les puits. La manure, Madame Margot, moi, n'a eu chaque Congo. Yé moutouaza tueur de ficelle pour la chaka, le corps à chaka Congo pour naté. Ils ont perçu 50 000 dollars. Il n'y a pas la part, il y a président de la République. Ils ont mis 15 000 dollars à Maraï Maraï. Donc, en revenant d'abord, Papa Béry et Wana, il est prévu que il y a un élève, il y a Fondation Artiste en Danger. C'est qu'il a prévu pour nous, c'était prévu Azala. C'est prévu qu'il y a un élève et artiste en danger, Papa Berry, qu'il peut venir nous démentir ça. Mais jusque-là, je vous dis, c'est tout à fait vrai. Donc, je disais, tous les gens, moi, si je suis en train de me faire, moi, je suis en train de me je vais 50 000 dollars. Je suis Marais, Bozu, Bocatelli, 15 000 dollars. Pour quelle raison? Bozu, 50 000 dollars. Est-ce que c'est dans tous mon volume? Est-ce que ça part dans un livre? Bocatelli, le Jojo. 180 000 bon monsieur, on n'en discute plus. Donc option il y a état de besoin tu écartes. Donc le président vous donne 50 000 de sa poche comme sa contribution. Tant que bimbi beau papa, au salaire il fallait d'amour en latte, bah bimbi ça va mourir. Tout ce que vous savez, goûte bas 300 000, bazarina, bah un million goûte ça. Voilà Marco. Voilà il est mon tableau babou. Net au coach na carte à bimbi bon monsieur, on en discute plus. Donc option il y a état de besoin, tu écartes. Donc le président vous donne 50 000 de sa poche comme sa contribution. Tant que tu bimbi beau papa, au salaire il fallait d'amour en latte, bah ton an, bah bimbi ça va mourir belé, bah ça va tout. Merci beaucoup, Alger. Mais, bon, je vous garantis que, vieux Maraï, bah, quand elle est là, moi, parti, moi, au bout de la 50 000, moi, quand elle m'a bimi, quand elle est là, naïe, à joli pays, moi, parti, naïe, t'es la poche. Regardez, comment est-ce que, bah, artiste, baso, tient plus, mon premier plan, que l'humain. Monsieur Maraï, par bonne foi, par humanisme, bah, il s'est mis nos 50 000 dollars, c'est pour l'enterrement, bah, obsèque, il y a frère Anayo, artiste. Pourquoi accepter si facilement comme ça? Bon, voilà. Est-ce que, bah, parce qu'il y a un don? Chérie, moi, publicité, ça fait. est-ce que la cause va publier? Merci beaucoup, chérie. Donc, il fallait que je souffre un tout petit peu parce que mon thème est vraiment au matin. Je disais, étant que ton frère artiste, M. Maraï, par bonne foi,
par humanisme, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette enveloppe si facilement? J'ai bien dit par humanisme. Parce que, oyebaki bien, bon, wana, on s'en a rouzakini. Tu voyez, c'est grâce à ça, c'est à travers vos dits, on comprend tout ça, tout facilement que les enveloppes que vous recevez, dans votre ministère, dans votre bureau, vous les partagez aussi. Donc, les 300 000 dollars que la famille réclame, non, tu sais, on a qu'à citer, mais, et au sala, moussala, oyo, et zageza, propriété. Parce que si seulement, on peut voir les 50 000 dollars, on va subir partage. Qui dire avec d'autres enveloppes qu'on a, oh, de yoka, qui dire de ça? Partage, oh, de yoka, oui. Bambon et Bima, Bokabo là. C'est tout à fait vrai. Parce que je me dis par humanisme, est-ce que tant qu'on peut s'agir enveloppe, parce que présent, le bac qui est la protection là, est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Le bac qui est bon, dans la ronde, on a un peu de cotisation là, il y a un peu de cotisation. Par humanisme, par élégance artistique, fallait pas prendre cette enveloppe. Fallait pas. Parce que les lots, soit beaucoup qui nous ont de 50 000 dollars, vivez pas que vous avez ça. Sans te mentir. Il y a baraké, celui dans le bic qui est besoin de sa mongo, il y a un président de la République parce qu'il a contribué pour la matanga, et matanga on a, et qui est foutu dans la vie maraï, et qui est foutu bien vu en vie maraï. Et qui, mais ils ont prévu pour la matin. Donc, sous le petit château, topé sa bino, titre et encore, politique, vous savez, détournement des fonds, détournement des deniers publics, détournement de l'argent du chef de l'État. Ça, c'est punissable par la loi. Non, écoutez, ça fait rire, mais comme je disais, ça fait mal en même temps. Ça fait mal en même temps. Je disais, les gouvernements doivent prendre toutes les responsabilités possibles pour parler à cette situation. Monsieur Chaka Kongo, c'est quelqu'un de public. Monsieur Chaka Kongo, c'est pas quelqu'un de moindre de la communauté congolaise. Il a quand même a posé des actes très, très positifs dans le milieu congolais. L'association, si seulement cette association existait, il y avait des gens, il y avait tout un bureau. Quelle est votre responsabilité? Parce que le fondateur est parti. Artiste en danger, je vous dis, Véchak Alara Abnou Liyem Tanvarelev, l'artiste en danger. Ça veut dire que Abnou Dija Abdou Malopompe, Dija Abdou Papa Béry, c'est prévu. Il n'a soit relève artiste en danger. Ou soit il n'y a jamais eu de structure d'artiste en danger. Ou soit il y avait une structure en bilan. Donc, directeur à Tamborine à Sade, trésorier à Tamborine à Sade, chargé à relations publiques à Zarana Sade, chargé à relations et à marketing à Zarana à Sade. Où va le Congo? Mais c'est une association qui existe. Depuis 1994. Disons même ceux qui basagi mi balé. Même toujours à Yemourové Chaka. L'association naïe. Atara, $1 chaque jour. N'a 30 associations, bon, on connaît les livres. Et malaka l'association. C'est là où maintenant, oh, dans le monde, c'est quand on voit tout ça. C'était quoi le but? Est-ce que l'association n'avait pas une caisse? Je suppose que ma association, elle a quand même la moi, fond mon coboyer, mon pandi, pour la
Bah, frais à fonctionnement association. Je pense que ça existait. Si ça n'existait pas, donc, artistes en danger, Ezali comédie. Je le dis haut et fort, Ezali comédie. Que chacun prenne sa part de responsabilité. Les artistes, M. Chaka Congo, Aza artiste, il a Aza la bureau et micro. Prenez aussi votre responsabilité. Les gouvernements congolais, moi à votre place, dans le Bétalibo, vous avez mis ça. Et puis, toujours, corps à Chaka Congo, par force. La famille de Chaka Congo, Margot, ceux qui tirent 5000 dollars et tirent la gueule, Sili. Le bagué est Sili. Dis-nous que non, tu n'as plus d'argent. Tu regardes au Songaïo. Gouvernement regarde au Songaïo. Belle la bande de artistes, bah, regarde au Songaïo. Pour bah, artiste, tu sais quoi, bah, qui 35000 dollars et Zali. Pour te rendre 35. Serait Sili. Dis-nous que tu n'as plus d'argent. Tu ne seras pas capable d'enterrer ton père. Baptiste et Bazoir élève. Parce que avant le Chaka Congo a pris tout ce qui doit être respecté. Pour respecter les morts à Chaka Congo. Au Kokiko, ça va dans un bon moté. Le gouvernement congolais doit prendre les responsabilités possibles. Les artistes, oui, je sais que il y a quand même des zones, il y a eu quand même plein de zones de froid avec certains artistes. Mais mettons quand même les égaux de côté. Sauver cette personne, sauver ce corps qui est en train de se congeler, se récongeler, na moi. Tout comme ça, tabiloura miki miki a mal à mon père ça là. Je parle aux artistes congolais. On nous dit qu'il y a des boss, il y a des mopao, pas pour le choix, il y a mopao batambon, il y a des kings de l'argent, il y a plein de sobriquets que vous avez en artiste. Je pense que si vous prenez cette responsabilité d'agir le plus vite possible, ça sera honorifique pour vous les artistes. Comme je disais, je sais qu'il y a eu des égos avec certains artistes, mais mettez tout ça de côté. Sauvez ces corps qui est en train de se récongeler dans la morgue. La famille, soyez flexible. Margot, laisse-nous les corps de Chaka Congo, de Tikato Kunanda, Kundu de Chaka Congo, et que les copains m'ont en paix. Donc, c'est ça que j'allais dire pour aujourd'hui. Donc, cette affaire, vraiment, toujours que Nango Lissou, Nicolas Lissou, on va suivre ça vraiment jusqu'à la fin, le temps qu'une solution adéquate puisse s'est trouvé auprès de la famille et puis le gouvernement et puis les artistes. J'invite tous les artistes à prendre responsabilité et puis la famille et puis le gouvernement pour l'affaire de Chaka Congo. Donc, je dirais un grand merci encore une fois au boss Choisi Matata, le vénérable Choisi Matata. Et puis je vois son associé, l'homme du chef, l'ombre du chef. Papito Kindoudi, Mukonde Abana Lemba, salutations à Papito Kindoudi. Et puis je vois Jackson Atiouya, excuse-moi. Fiston Mouzenga, salutations à toi. Et puis je vois toute l'équipe de IC News, New Loco, merci vraiment pour le bienfait. Et puis je vois Fimati Fiston Venga, merci, salutations à toi. Il y a quand même plusieurs noms. Je vois mon ami Herman Kassongo, je vois aussi mon ami Pluivano Santé, salutations à toi. Je vois quand même plein de monde aujourd'hui. Je vais quand même arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que les autres sujet, on va l'aborder plus tard. Aujourd'hui, je dirais un grand merci et puis à Karine Mokondi la baronne, un grand merci à toi, salutations à toi, Karine Mokondi. Et puis je vois Fabrice Lemba, la force tranquille,
Lui, ma la force tranquille, salutations à toi. Et puis je vois Christelle Matondo. Christelle Matondo, big salam à toi. Christelle Matondo. Et puis je vois mon ami Jean-Baudry Makayanga, de là où je me suis, salutations à toi. Bon, quant à moi, aujourd'hui, je vous prends congé. Je prends congé, restez scotché sur notre chaîne ici, IC News New Look, avec El Chéri. Et puis, notre chaîne chez Mokondi officielle. Abonnez-vous massivement. Vous aurez quand même des bonnes choses. Vous aurez vraiment des bonnes choses. Parce qu'on a quand même une autre vision. C'est pas tout le temps pointe du doigt. Juste commencer à réfléchir comme réfléchir normalement. Ok? Le biais, monsieur, oh, il roulait à Ilongamoutouté. Monsieur, il roulait à casquette, il y a groupe Mokote. Donc, on a la naître, et puis je vois, j'ai dit un grand merci à Chantal Matomina. Salutations à toi, Chantal Matomina, de là où tu me suis. Je disais, donc, émission, et voilà, t'es mon gamin tout. Et voilà, t'as couleur monté. Donc, quant à moi, je vous dis un grand merci. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement. Je vous retrouve pour le prochain numéro avec un autre sujet, avec un autre thème. Quant à moi, je vous dis ciao, bye. C'est pas la TV et y'en a ma kambou ya sikali sousou. Oh, ba chaîne ya France, ezana kati. Ba chaîne ya Congo, ezana kati. Ba chaîne ya Londres, ezana kati. Oh, nous m'a kambou ya politique ya sika. Oh, parti AA, ezana kati. Oh, parti BB. Oh, CFAIO, ezana kati. Ya c'est pas la TV. Bouquet comme ya mouke boy. Ou tiens la poche, voyage dans mouke no partout lingi. Na bouquet no ya c'est pas la TV. C'est pas la TV. Mais ma bisonne, on a un caca. Machine, ma daka daka. C'est Pela TV. Bienvenue dans le monde C'est Pela TV. C'est Pela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.